Les abeilles, les guêpes, les serpents et les grenouilles. Quelle liste très intéressante, Elsie. On a eu un cours de science aujourd'hui et on a appris des choses sur les créatures à rayures jaunes et noires. Ce sont les couleurs du danger dans la nature. J'espère que je ne vais pas rencontrer des trucs jaunes et noirs au parc. Sinon, je rentre à la maison. Oh, Zou, ne sois pas bête. Mais pourquoi nous, on a des rayures noires et blanches? C'est une excellente question, Zou, parce qu'il y a une très bonne raison à cela. Ah oui? Laquelle, papy? Oui, dites-le nous. Je vous l'expliquerai quand nous serons au parc. Qu'est-ce que le parc a à voir avec nos rayures noires et blanches? Mais tout, voyons, Zou. Regardez par là. Moi, je ne vois rien du tout. Oh, où est-il passé? Papy? Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Et je vous vois. Tu t'es caché. Ça s'appelle du camouflage. C'est rigolo, je peux essayer? Ne me regarde pas, je vais me cacher, Zou. Ça y est! Il est temps de rentrer. Oh non! Tu sais, c'est impossible de se camoufler avec des vêtements unis, Poc. Il me faut des habits rayés, noirs et blancs. Mais je n'ai que des affaires colorées. Tiens, je me demande... Maman? Je suis là, mon Zou. Papy nous a expliqué le rapport entre nos rayures noires et blanches et le camouflage. Est-ce que tu crois que j'aurai des vieux vêtements sur lesquels faire des rayures? Tu as besoin de te cacher de quelque chose, Zou? Oh, c'est pour m'amuser. Alors, bon, je comptais jeter ça. Cette salopette est un peu usée et délavée, mais je pense qu'elle devrait encore t'aller. Alors, de grosses rayures noires. Quand on aura fini, Poc, je serai le roi du camouflage. Et je te promets qu'aucune créature jaune et noire ne pourra me repérer. On va tester ma tenue. Maman, papa. Zou, tu nous as appelés? Mon chéri. Je suis pourtant sûre de l'avoir entendu. Je suis là. Je m'étais camouflée. Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi on ne te voyait pas. Ton camouflage a l'air de fonctionner à la perfection. Il y avait beaucoup de monde au marché aujourd'hui, mais je ne regrette pas d'y être allée. Tu as acheté quoi? Nanou m'avait demandé de lui acheter une nouvelle couverture. Je lui ai pris ça. Oh non! Pas un truc à rayures jaunes et noires! Moi, je la trouve très originale. Tu veux bien la lui apporter, s'il te plaît? Elle va l'adorer. Mmh.
Zou, mais qu'est-ce que tu fais? Je rangeais juste quelque chose dans ton placard, Nanou. Ça ne serait pas ma nouvelle couverture? Si, mais tu ne crois pas qu'on doit se méfier des choses à rayures jaunes et noires? Oh! Je ne suis pas d'accord avec toi. Je la trouve très jolie. Papy, c'est vrai qu'il existe plein d'endroits dans le parc où on peut se camoufler? Oui, on va pouvoir vérifier si ton costume fonctionne. Du noir, du jaune, des rayures. Zou, qu'est-ce que tu as? En fait, je n'ai plus tellement envie d'aller au parc. On rentre à la maison. Étrange. Je me demande ce qu'il tracasse. Ne trouves-tu pas ce déguisement magnifique, Zou? Zinia était à une fête costumée chez une camarade de classe. J'ai gagné le premier prix du concours de déguisement, je voulais te le montrer. Mais il est noir et jaune avec des rayures. Oh, je sais à quoi on va jouer. Je vais faire la reine des abeilles et toi, tu récupéreras le miel. Bzz, bzz, à l'aide! Oh oui, vas-y, je te suis. Je te vois là, Zou. Bzz, bzz. Une cachette. Oh non. Je t'ai eu. Vous en faites du bruit! On est pourchassé par un bourdon! Il veut m'attraper! Il est jaloux de mon costume! Ah, j'ai plutôt l'impression qu'il veut sortir! Oh, attention, papy! Vous savez, je crois que ce bourdon avait plus peur de vous que vous de lui. Il voulait juste poursuivre son chemin et trouver une fleur à butiner. Oui, mais c'était une bête dangereuse. Elle a des rayures jaunes et noires. Si tu laisses les animaux tranquilles, ils ne te feront pas de mal en général. Même les bêtes à rayures jaunes et noires. Mais alors, la couverture de Nanou n'est pas dangereuse? Et les voitures jaunes avec des rayures noires ne me feront rien non plus? Bien sûr que non. Et Zinia n'est pas dangereuse déguisée en abeille, alors? Eh bien quoi? Ha 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 ha